Bonsoir et bienvenue à tous sur le live de vos nuits. Ce soir, on va jouer à Castlevania Order of Ecclesias. Ah, la connexion wifi. Regardons la cinématique, tiens. Ah, le bot est enfin arrivé. Je préfère celle de Dawn of Sorrow. Le mec, il voit que le début. L'air très fixe, tout ça. Open Salamin. Salut Jonah, et merci pour le raid. Salut Raiden, Winchester. Ouais, je préférais la cinématique de Dawn of Sorrow. Là, c'est beaucoup de plans fixes. Autant dans Portrait of Ruin, c'était en 3D, au moins il y avait du mouvement, quoi. Bon, bah, c'est parti. Déjà, si tu... Pourquoi chez Nintendo, le bouton pour valider est du côté droit de la manette? Choisir donner. Attention, vous avez choisi. On s'en fout. Je veux taper des choses. Irais-tu d'une balade dans la couronne Léoïne. Zegema Beach. Toujours rêvé d'y aller. Vous voulez voir la galaxie. On allait tous d'ailleurs. Zegema Beach. Tout est réglé. Est-ce que tu es devenu fou? Présentation des recherches. Il y a des doublages énormes. Okay. The evil Lord Dracula has driven people to terror. Each time Dracula returned from the dead, the Belmont clan fought him in the shadows, wielding the Holy Whip. Through their efforts, humanity avoided the darkness, securing prosperity. But early in the 19th century, having lost their ability to resist the darkness, those in positions of power at the time began to search for new ways to counter Dracula. Our organization, Ecclesia, was born then as one of those countermeasures. Many organizations were established with the same goal. Quoi, quand il y a un mec qui lit le truc défile très lentement. But each was dissolved when they failed to produce satisfactory results. But that was when Barlow, the leader of Ecclesia, finally made a surprising breakthrough that could stand up against Dracula. Non, parce que bon, dans les deux précédents, c'était le speedrun, quoi, pour les lire tous. Qui est là? Devine, ça m'apprendra à essayer de te faire peur. Albus? Dumbledore? Je vois que tu as senti ma présence assez facilement. Contente de voir, Chanoa. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la convie, non? Alors, où veux-tu que je sois? Non, ce n'est pas ça, mais... je te croyais en mission. Non, c'est bon, j'ai mis le micro. Vous savez, ça arrive, les accidents. Oui, mais je voulais juste voir si tout allait bien. Ici. Il fallait obligatoirement que le ici soit sur l'autre page, d'accord, d'accord. Alors, quoi de neuf? Eh bien, Marlon m'a choisi pour être l'élu. On va bientôt commencer le rituel pour préparer mon corps à recevoir Dominus. Dominus! Ah, c'est parce qu'il est tard, Owen. T'as du lag. Ah ouais, parce que bon, ce temps-ci, galère sur galère, quoi. Merde, j'ai oublié de mettre le micro, merde, j'ai oublié de mettre l'image, putain. Est-ce que j'ai pas oublié de mettre l'image? Non, ça va. Qu'est-ce que tu as dit, toi, Dominus? On aurait dû lui donner une voix de Vegeta. Tout à fait. Ah, c'est une honte! Un Barlow a m'a menti!
Comment ça, menti? Ah, c'est moi qui devrais être élu. On me l'avait promis et juré. Je suis le Super Saiyan. Ah non, ça, je joue à l'aveugle. C'est une blind run, mais au sens propre. Mais le maître a dit que... Il t'a dit quoi? Que tu n'es pas digne de porter Dominus. D'ailleurs, vous savez que le tag blind a disparu pour pas offenser les aveugles. Mensonge! Jamais il n'aurait pu dire ça! Je suis digne! Albus! Tu viendras d'un bal lourd! Pardon, mais le rituel va commencer! Je dois y aller! Attends, Chanoa! Tu ne comprends pas! Je suis l'élu! Mais c'est toi qui ne comprends pas! J'appartiens avec plaisir autant que toi! Notre seul objectif, c'est éliminer Dracula pour que le monde connaisse l'aube. Son crâne de ténèbres, je me trompe, Albus? Non, je suis le plus fort! Bah pourquoi je vais devenir Dominus, l'épée qui vaincra le mal? Danoa! Kakaroto! Bah, je l'ai pas aujourd'hui, c'est ouf. Ah, ça faut pas me demander, hein. Demande ça au SJW. Ah, le son du jeu là ou trop bas? Parce que je l'ai pas changé depuis le dernier Castlevania, comme ça a tendance à fluctuer. Comment a-t-il pu? Les ordres sont les ordres, Barlow. Mais je vous ferai respecter votre promesse. Ok. Il va devenir le méchant. Ah, Chanoa, comme tu le sais, tu es l'élu, la seule digne de porter Dominus. Dominus! Ouais, j'avoue, après tout, les musiques de Castlevania sont cool. Ah, ce jeu qui va m'obliger à débloquer Symphony of the Night. Parce qu'après, il n'y en a plus. Oui, maître. Voilà. Je l'ai monté de 5%. Mais 5% quand il était à 3% de base, c'est énorme. Ah, pourquoi il te fera très... Il te sera très difficile de maîtriser sa puissance. Le but de ce rituel est de préparer ton corps à supporter le pouvoir de Dominus. Dominus. Est-ce qu'on va encore parler de... L'an 1999. Ce serait énorme. Oui, maître, mais après ce rituel, je... Ah oui, Chanoa, tu pourrais manier notre tout plus puissant glyphe. Dominus, l'arme ultime d'Ecclesia créée pour combattre Dracula. Genre, c'est pouvoir de contrôler les âmes. Je suis fier de toi, Chanoa, tu vas pouvoir sauver le monde. Regardez de ça, hein. C'est très Bloodstain. Mais il manque plus que les petits tatouages en forme de plantes, enfin de fleurs sur le corps. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui es-tu? T'es aveugle ou t'es con? Albus! Qu'est-ce qu'il prend? Ah, tu connais l'importance de ces rituels? Vous m'avez menti! Albus! Je devais être l'élu, vous me l'avez promis! Ah, chacun de nous a un rôle! Tu aurais pu comprendre ça si tu avais suivi les ordres! Chanoa est de toute évidence la seule digne de porter Dominus! Lui sait aussi bien que moi! J'ai essayé de dépasser mes faiblesses! Pourquoi ne plus me faire confiance? Ah, mais rien n'est perdu! Ensemble, nous arriverons à surmonter ces difficultés! Non, c'est trop tard. Ah, dis-moi, Albus, qu'est-ce que tu comptes faire avec Dominus? Vous l'avez dit, vous-même,
chacun de nous a un rôle, et en bon être que vous êtes, vous m'avez montré quel doit être le mien. Ne sois pas stupide, Albus. As-tu... Que comptes-tu faire? Je vais prendre Dominus. Réfléchis, ce glyphe. Ah, notre mission est un échec, le réceptacle de Dragon est là. J'ai ma propre mission. Oh mon dieu, il a un gun. Petrificus. Vous n'êtes plus mon maître à partir de maintenant. Adieu, Barlow. Ah bah t'es nul. Des semaines plus tard. La période de formation va bientôt se terminer. Bien, maître. L'art circulé d'Ecclesia consiste à puiser dans chaque élément de l'univers pour forger les glyphes. Ah, c'est là que repose notre force, celle qui sauvera le monde. Mais absorbe le glyphe de votre roi maintenant. Tu peux absorber les glyphes de l'écran à la pioche sur O. Tu obtiens ainsi le glyphe et 10 cœurs. Un glyphe rapier. Un glyphe rapier? Exact. Et regarde, il te suffit d'absorber un glyphe pour découvrir sa nature. À ce dont appartient à toi et à toi seul. Oui, maître. Tu dois malheureusement mourir. Je t'ai expliqué depuis le début. Ça tombe plutôt mal, mais notre temps est compté, alors n'attendons pas. Et commençons. Et il me semblait que c'était ma fin de formation. Pourquoi vous m'expliquez des trucs? Bien, maître. Le glyphe dirige sa puissance vers tes bras. C'est pas le premier cours, ça, normalement? Ouvre le menu avec pause et sélectionne le glyphe pour les affecter aux touches Y et SBLU. Oh, il y a aussi sur R. Le glyphe rapière. Mais c'est la même chose. Ah, tu peux utiliser ces glyphes contre tes ennemis. Ah bon, imagine que je suis l'un d'eux et attaque-moi. Appuie sur SBLU et SBLA pour attaquer avec tes glyphes. Cela consomme des PM, mais ils se rechargent au fil du temps. Attends, c'est... Alterne SBLU et SBLA pour faire des combos. Okay. Ah, ta mémoire a peut-être disparu, mais ton instinct de guerrière est là. Laisse-le te guider maintenant. Fusionne les glyphes dans les deux mains. Ah, l'union des glyphes peuvent surprendre tes ennemis. Appuie sur O et SBLU et SBLA pour faire une union. Tu es doué, maintenant, voici l'épreuve finale, le danger d'un vrai combat. Après toi, retourne-toi mentalement, quand tu te sentiras prête, va dans la pièce suivante. Bien, maître. Donc si je comprends bien, pour n'importe quelle attaque, ça va me bouffer des MP. Ouais, elle peut faire des danses. Attends. Est-ce qu'il y a encore une pause secrète si on le laisse longtemps? Ça a pas l'air. Et appuie sur les deux, ça fait rien. Bon bah, allons à gauche. Ah, c'est quoi ça? Oh oui. Je peux ramasser des trucs. Bon bah, cassons-nous, allons nous battre. Hein. J'avoue que ton ennemi des enfers. Utilise tout ça. Je t'ai appris pour combattre. Attendez. Attendez. Ah putain. Voilà. Que je t'ai appris pour combattre, prouve-nous, et une fois de plus, que notre vraie guerrière.
Ah non, un combat trop difficile. J'ai gagné. Formation de base est finie. Passons à la suite. Benoît, je n'attendais pas moins de toi. Merci, maître. Ah bien, tu dois maintenant commencer ta mission. Récupère Dominus, la glyphe suprême. C'est mon disciple qui l'a. Son nom est Albus. Mais il est méchant. Albus ? Est-ce que ce nom révèle ta mémoire ? Par hasard. Non, maître. Alors, tes sentiments, tu le connaissais avant. Si, mais ce nom, il n'est vraiment rien, maître. J'ai pas lu Harry Potter. Lui qui a volé et effacé tes souvenirs, il a trompé ta confiance et celle de l'humanité. Tu dois absolument récupérer notre seul espoir de paix. Le rituel, cet homme que j'ai vu. Cet homme, c'était Albus. C'est donc lui. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il était jaloux de ton destin. Mais toi seul es digne de porter Dominus. Ah, si je lui avais expliqué, tu aurais échappé à tout ça. Mais je lui ai menti. Mais ne perdons pas de temps à nous apitoyer. Grâce à Dominus, nous avons... Nous allons pouvoir sauver le monde, tous les deux, en renvoyant Dracula en enfer. Mais pour cela, il faut que tu récupères la glyphe. Il n'y a que ça qui compte. Comptez sur moi, maître. C'est une bénédiction pour nous tous. Nous avons un avantage. Dominus ne peut pas être utilisé par le commun des mortels, y compris par Albus. Toi seul es capable de porter le glyphe dans ta chair. Tu vois maintenant pourquoi je te confie cette mission et qu'il y a beaucoup trop de l'or. Parfaitement, maître. Mais Albus est malin. Avec le temps, il comprendra peut-être qu'il fait fausse route. Pour l'instant, il faut le retrouver avant qu'on ne perde sa trace. Je m'en charge, maître. Chanois, ramène-le, mais ne lui fais aucun mal. Sauf s'il est trop embêté, donc casse-lui la gueule. Compris ? Entendu. Tu es notre seul espoir. Celui du monde est le mien. Et donne-moi tes pouvoirs. J'ai récupéré l'MP. Non, il n'y a plus le petit bassin. Ah bon, visiblement, ils ont un peu renoué avec les anciens Castlevania, avec les petits cœurs et tout ça. En munitions. Poing, poing, poing. Poing, poing, poing. Bon, bah, c'est parti pour taper dans tous les murs. Hein. Ah, j'ai trouvé. Bon, ils ont. Ah, ils ont vraiment nerfé ça. Oh, je les déteste. Mais c'est un classique, niquez-vous. Ah. Vraiment. Ah. Je suis pas fan là. Et j'avais jamais touché. Un boss là. Salut vieux. Ah, c'est donc ici qu'il m'a montré. Non, mais j'espère que les autres zones sont interconnectées correctement. N'oublie pas, le timing change, entraîne-toi et tu verras. Est-ce que j'ai... Non. Bon. Ah ! Il y avait un coffre illusoire. Mais c'est Dark Souls. Moi j'ai moins. Ah, en tapant. Vous êtes des fous. Bon, ok. Ça va être l'enfer. Pour tout trouver. Que j'ai une glissade. Yes. Ah, de quelle licence est la roulade? Ouais, classique. Bon ben. Le monastère. Vous croyez que celui-là il bug quand on le met en HD?
Qu'est-ce qu'on a envie de faire hein. On a qu'à avancer puis on verra. Tant qu'on ait l'image la plus nette possible. Ouais, il y a des petits bugs. Oh, ils sont pas trop visibles là. Est-ce qu'il y a toujours comme l'autre? Yes. Il y a pas le taux de drop? Il est fou! Bon, là on voit pas vraiment le bug, donc je pense que ça ira. On verra. Non, mais. C'est moins visible qu'avant. Hein. Allez, trouvez le bug. Un gros zombie! Je préfère l'animation de ceux-là, du coup, par rapport au précédent. On aurait dit qu'ils avaient des spasmes dans le précédent. C'est quoi? Un TP. Mon dieu, cette bulle en 3D est magnifique! Vous avez du loot ou? Ah oui. 4 étoiles par contre de rareté. Oh. Donnez-vous, 4 étoiles c'est genre 2% de chance de drop. Et donc ça fait un peu mal au huc. Un ticket magique! J'ai trouvé le ticket d'or. Ah bah là on les voit trop, j'aime pas. Oh dommage hein. On va devoir se taper le jeu un peu flou. Voyons à quel moment ça disparaît. Peut-être que là c'est différent des précédents. En 7, no. 10, no. Ah, on le voit un peu moins. 4, dommage. Ouais, on va devoir se taper là deux fois. Hein. Dommage. Vaut mieux une image un peu floue que avec plein de bugs visuels partout. Ah, l'émulateur DS qui est pas fait pour la 2D quoi. Et j'ai trop l'habitude de faire des petits sauts maintenant à cause des deux précédents pour taper plus vite. Des fous. Bonjour. Et quoi? Ah. Créer un champ magnétique attirant. Appuyez sur R pour vous coller aux aimants proches avec la glyphe Magnes. Reconnaissez-tu? Je vole. Boing. Trop bien. Boing. Boing. Ah, que vois-je? Boing. Par contre, ne plus taper dans les coffres pour les ouvrir, ça fait bizarre. Ouais, un chapeau de coton. Trop bien. Des têtes de chevaux. Donc je peux plus juste frapper dans les... Hein. Pourquoi il miaule? Et qui miaule? C'est pas le bruit d'un cheval ça? Et en bas, c'est pas un miaou. C'est toi qui miaule. Direct, non. Miaou! Et vous êtes des connards! PV Max! Attends, on peut parler au chat? Allez! Voilà, j'ai chopé le chat. C'est bon. J'ai sauvé un chaton. Miaou. Quel enfer. Et quoi? Du mana? Okay. Oh, c'est comme Tetris.
T'as l'air infini. Et du coup, faudra un pouvoir magique pour ça? Ou juste une allonge plus grande? De toute façon, il n'y a pas de trou pour passer. Trop bizarre. Donc, il faut aligner plein de fois le même. Zeva. Pardon. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Je fais ça. Non, c'est la même chose. Non, il était bang. Un connard. Et c'est plus aligné après. Non mais ça me saoule en fait. Attends, il y a peut-être moyen là. Ah, j'essaie au moins d'aligner 4. Bah ça fait rien. Cassons-nous. C'était nul. Comment je fais pour monter? Je dois aller tout à droite. Est-ce que les têtes de chevaux donnent des choses? Bon toi, donne rien, meurs. Ah, il donne rien. Heureusement, ils ont mis des petites tables. Hein. Par contre, ce coffre. Attendez. Est-ce que c'est comme dans le précédent? Est-ce que je peux mettre des pins? Non, vraiment que j'arrête de. Oh, on peut mettre plus de pins. Trop bien. Ah, mais par contre, ça a l'air d'être. Les mêmes pins pour partout. Attends, test. Ah oui. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Attends, il y a le chaton qui est en train de glisser. Bon bah go hein. Un zombie avec une vedaine. Il a bien mangé. Mais en fait si vous luttez rien. Ah pas si vous luttez, c'est vrai. Meurs. Oh j'espère que le mana va assez vite monter quoi. Parce que bon, au secours. Et lui, t'es quoi? Qu'est-ce qu'on a? Une glyphe! Glyphe couteau! Carter! Ah! Oh, je retrouve mes sensations. Contre inversé. C'est un peu de la merde, mais bon. Alors le gros chevalier qui te donne un petit couteau. Oh non, elle donne pas de loot cette connasse. Putain, mais... Ah, la gueule. Un gros coffre d'or, il me le faut. Elle a valu plus. Affichez le nom de l'ennemi que vous attaquez. Oh. Ça devrait juste être de base, ça devrait pas être un pouvoir. Hein. Faire mon rabat-joie, mais. Voilà quoi. Oh! Fleur illusoire! Aïe. C'est instinct quoi. Maxi plus! Je crois que c'est les cœurs. Ah! Un cheval veut bouffer ma tête. Attendez, il y a une balance là. Ah, je suis pas assez lourd. Ouais. M'en fous. Piquet magique.
La gueule. Ah, est-ce que ça passe à travers d'ailleurs? J'aime pas essayer. Non. Adieu le système de combo. J'ai décidé de mettre une dague. Oh ta gueule. Ah oui, crie. Mort en 3 coups, chut, t'as 3 PV. Mais il faut tout taper. Quel enfer. Un coffre. J'ai déjà vu cette architecture. C'est trop bizarre de devoir réellement ouvrir les coffres. Au lieu de les frapper. Après, dans Portrait of Ruin, je me souviens pas qu'il y ait un coffre qui était vrai. C'est tous des mimiques. Oh, les pognons! Dégage! Mon pognon! Yeah! Ah, tout le monde aimerait répéter des chandeliers et choper du gold. Bon, allons voir à gauche. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un mur illusoire au-dessus, mais je peux pas le frapper. Zombie, aïe. Les zombies, c'est chiant. Oh, de la chair pourrie. Oh, on a son loot rare. De la merde. Au secours, il m'a repoussé. Mais c'est chiant, en fait. J'ai 12 000. Ah, mais j'ai la flemme. Dans le précédent, le pop des zombies, c'était un peu radin, mais là... C'est en mode nique-toi, quoi. Mange-toi tous les zombies de la terre. Un fil de coton. Ouais, c'est de la merde. Il est long ce chemin de zombies. Oh mon dieu, il a sauté. Il a voulu me contrer. Je sais pas c'est quoi ce signe, j'ai l'impression que ça me redonne. Mais nique-toi. Ah, c'est peut-être juste réanimation de mort. Mais quel enfer! Ah, ce long couloir rempli de zombies qui pop à l'infini. Attends, j'avais oublié que j'avais un pouvoir. Ah, ça! Non. Non. Yes. PM Maxi. Bon, d'ailleurs ça fait quoi ça? Ok. Je vais le faire un groupé. Deux secondes. Non. Non. Ça c'est une porte de boss. Il y a tellement d'endroits où je suis pas allé. On ira après. Dit-il en s'éportant. Ah non, les bulles sont cassées. Ah. Moi ce que j'ai pas compris de la Castlevania, c'est que le premier sorti sur DS avait une meilleure 3D que... Le Portrait of Ruin qui avait carrément des trucs totalement dégueulasses. D'ailleurs, ils ont plus jamais réutilisé l'asset de l'épée du premier. Ah, de Donald Sorrow. Je trouve ça bizarre. Un gros blob. Ah non. Ish, 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 ish. J'ai le pouvoir. Montre-moi ta tête. Il va faire un truc, il va faire un truc. Aïe, j'ai glissé, chef. Mais t'es dégueulasse. Mais c'est pas cool. On meurt. Je suis trop fort pour toi. Ah.
C'est un peu nul par rapport au précédent, hein, tu sais. Je dis ça et je me fais niquer la gueule. J'ai gagné. Ah, il a voulu me niquer la gueule alors qu'il était mort. Vas-y, explose. J'absorbe ta puissance. Ring. Ah, ce first try, sauvegardons. Bon, voyons ce que j'ai débloqué. Salut, un chat noir. Tu es encore là, à la botte du vieux fou, hein. Toi, je t'ai déjà vu. Tu t'appelles Abus, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Je suis venu sur ordre de mon maître pour récupérer la glyphe d'Aminus et te ramener chez nous. Chez nous? Mais je n'ai pas de chez moi. Le vieux me l'a fait comprendre. Mais pas une offre. Oh mon dieu, il peut se téléporter, c'est un fou. Étrange, je ne me souviens pas t'avoir connu aussi arrogante. Et tu sembles aussi avoir oublié comment on utilise les glyphes. T'es vraiment devenu nul. Oui, j'ai oublié, grâce à toi. Vraiment? Mais je ne compte pas rentrer alors. Salut le vieux, de ma part. Non, tu dois rentrer. Maître Barlow a ordonné. Ne dis plus jamais ce nom. Oh mon dieu, il a un gun. Concentre-toi. Ah ouais, des grosses balles, hein. Ah, c'est vache de centipede, le gars. Bon, je ferais mieux d'y aller. À plus, chat noir. Ok, je suis venu ici pour un cul-de-sac. Oh, un truc qui brille. C'est à moi. Une carte. Notez l'emplacement d'un village sur la carte. Ich. Et rien. Vraiment. Un petit truc caché dans cette pièce vide. Le mec il va taper tout. Ah, je pensais que c'est une plateforme. Bon bah. Allons tout à droite. Ah mais c'est l'enfer ça. Kamehameha. Ah, Kamehameha. Magie a l'air beaucoup plus efficace que dans le précédent en tout cas. J'ai pas compris ça, je crois que c'est juste faire l'animation. Ah, ouais, ça doit être faire l'animation. Enculé! Il m'a cancel! Ah bah casse-toi! D'ailleurs, vous donnez plus rien à part de l'ex, donc j'en ai plus rien à foutre de vous. Oh mon dieu! Une folle! La gueule! Oh mon dieu, t'es trop fort, tu meurs en trois coups. Du fil de coton, il y aura du craft. Bon. Petite la map. C'est-à-dire que c'est seulement la première qui est aussi petite. Bon, allons TP, hein. J'aurais dû aller au fond de ce truc plutôt. Putain, mais ils sont 12 000! Ah, je les OS. Mais c'est trop bien maintenant. Et bon, aïe. Ah, lui, en tout cas. Il manquait un PV pour les OS, c'est ça? Ouais, c'était ça. Oh! Attendez, monsieur! Glyphe épée! Ah, un petit sécard. Ah, ah, c'est mignon tout ça. Attends. 33. C'est aussi un caméa. Bon. On va pas se plaindre. Hein. Ah, je tape 3 de plus. Vous ne pouvez rien contre moi. Aïe. Vous pouvez tout contre moi. Aïe. Au secours, il est une épée.
sert tellement à rien vu le peu de dégâts qu'ils font. Mais là, il m'a popé sous le cul. Bon, sauvegardons, on a chopé une âme. Enfin, une glyphe. Moi, je dirais toujours une âme. Bon. On peut dire que son attraction est magnétique. Bon. Oh, c'est mignon. J'ai pas vu que l'animation était allée du haut. Je pensais que ça allait. J'étais aveugle. Maintenant, je suis un illuminé. Et putain! On déteste les chauves-souris. Est-ce qu'elle loot d'ailleurs? Bon. Non, elle loot pas. Calmeur alors. T'es tombé! Non, je vois. Je vais te niquer la gueule, toi. Bon, avançons. Ah bonjour, jeune squelette! Il me tarde de voir le jour, je vous en laisserai. Ouais, toi, ta gueule en fait. Oh mon dieu, je la tape deux! Je tape deux fois plus fort! Attends. Un scandale! Bon, c'est une sandale, mais bon. Un scandale, c'est mieux. Ah bah, j'ai tué un boss avec les pieds nus, mais je suis un fou. Prévoir un truc jaune. Ah, j'ai deux sandales en fait. Oh. Ou alors c'est juste pour me dire si c'est celle que j'ai équipée. Je pense que c'est ça. Hein. Pas clair. Pourquoi elle est jaune dans certains cas et pas dans d'autres? Bon ben, faut retourner à l'entrée pour se casser. Bon, pour une maison, c'est logique. Mais j'espère que pour le village, par exemple, il n'y aura pas qu'une sortie. Vous êtes chiant. Aïe! Je vous matraquerai tous! Bon ben. Le village de ses morts. Une urne! Un vieux! Les vieux, c'est mystérieux. Un glyphe, c'est Abus qui a fait ça. Quoi tu fouilles? Quoi cette carte? Au secours, il y a un dessin d'enfant comme carte. Ouais. Du lait! Yes. Ah, je déteste les tonneaux. Surtout quand ils sont pas pleins de vin. Bon bah, glyphons-le. Hein. Ah. Le glyphe qui neutralise les ennemis, la torpor. Oh, enfin! Qui vous a fait ça? Il faut aider les autres! Tous les habitants de la village ont été capturés! Par qui? Par Picard! Cet homme a autorisé un sortilège pour enlever les 12 autres et moi, il m'a emprisonné! Mais c'est le Seigneur qui vous envoie! Ne par pitié, délivrez-nous du mal! Pouvez-vous me dire où cet homme est allé? Ah, Fifi, je ne me souviens bien. Il a parlé de l'île de prison. Je vois. Il y a longtemps, le criminel était Marie, Célia Mori, et oublié. Selon la rumeur, leurs âmes errent encore sur l'île Anti-Ayame. Et où se trouve-t-elle? Vous n'avez qu'à passer par cette forêt. Je vous en prie, il faut les sauver. Est-ce qu'Albus a vraiment emmené les villageois sur l'île de la prison? Et surtout, pourquoi? Parce que, mon enfant, je vous pouvais rentrer dans les maisons. Oh,
Quelle est cette technologie de rentrage de maison? Par contre, un café dans une dans un coffre. Non mais en fait j'ai pas été en bas aussi. Hein. J'avais un coffre. Voilà du lait. Putain de village de merde. Attendez, on n'est pas rentré dans cette petite maison. On savait pas qu'on pouvait rentrer dans les maisons. Donc... il y aura une boutique ici. Fouillons tout. Oh chat. Ah je peux. Ah mais c'est les chats que j'ai ramenés en fait. Ok, je vais faire la maison des chats. Ça, c'est le petit chat que j'ai ramené tout à l'heure. Un hachoir. Seulement je pouvais l'absorber par un glyphe, mais rien. Je peux faire des carpaccio. Dans la glyphe point. Bon, ici un forgeon. Nye. Un forge glyphe plutôt. Allô. Ma calasavela. Je pense que ça ce sera rempli avec des PNJ qu'on va trouver. C'était beaucoup trop vide, même pas un petit coffre, rien. Là, il n'y avait rien. Ouais. Cassons-nous de ce village. Voilà, il y a un point vert. C'est juste pour dire, il y a un... Oh mon dieu, il parle. Ah, je suis le prêtre Nikolai. À qui vaille sous sa bourre. Quoi, vous croyez que c'est le Nikolai de Shadow Heart? Il a déroussi avec le temps. Madame prie, vous devez sauver le villageois d'un frère si mal. Donc qui n'a pas les enfants, il ne reste plus qu'à prier pour eux maintenant. Ok. Ok. Un poret de Ruvas. Bon, après, le bon côté avec ça, c'est que t'as plus à chercher le... Les entrées des niveaux, quoi. Oh, Cthulhu! Oh, il donne pas de loot. Ah, il a explosé. Ah, t'as vu, ils ont pas été cons. Ils ont mis des trucs en avant-plan, mais qui sont transparents. Pour pas gêner. Non, mais tu donnes pas de loot. Tu m'intéresses plus. Ah, est-ce que je peux... Oui. Je peux magie. Glacial. Mais c'est juste pas des magies, c'est juste des munitions cœur. Oh non, j'ai tué une. C'est quoi hein? C'est pas. D'accord. Glyphe couteau. Toute cuisine couteau karaté. Massir. Ah, j'avais un glyphe marteau. Trop bien. C'est lequel que j'ai eu? Encore un culteur? Non, j'ai eu ces cartes. Ah, j'ai eu encore un culteur. Bon, ça donne quoi le marteau? Ceci n'est pas un marteau, c'est une pioche. Au secours! C'est un métroïde! Ah! Mais bordel de merde! Il me suce la tête! Mais t'es un connard, tu vas trop haut. Je vais te défoncer. Oh. Nul. Au secours. Il est Gauthier. Mais t'es un connard. Tiens. Ouf. Non mais Massir, casse-toi. Tu tapes plus fort mais... Ouais, on peut faire ses cas. Et si on teleporte? Oui. Oh, on est dans la merde. Un nécromancien. Ah non. Par contre, il a à l'outre. Il a à l'outre. À l'outre. Ah! Maudit métroïde.
Non mais laisse-moi tranquille. Connard. Ouais, enfin bon, le marteau, on dirait vachement une pioche, quoi. Mais t'inquiète pas, je sais lire. Il t'écrit marteau. Et c'est justement ça qui m'interpelle. Le marteau, il a un peu la forme d'une pioche. Quoi? Genre, elle tape avec le bout pointu. Alors que normalement, un marteau, c'est contondant. Bon, je préfère épée quand même. Et du coup, bonjour, Néo Samouraï. Ah, bonsoir. J'oublie à chaque fois qu'il fait nuit. Maudite saloperie. Ah, saleté de Cthulhu. Ah, mais t'es un métroïde, casse-toi. Parce que j'ai pas de moonwarfing. Pas du tout, c'est trop. Mais alors vraiment pas. Les précédents, on voyait très bien que c'était des marteaux. Bon. Crève. Bah, visiblement, il est sensible aux tranchois, non aux contondants. On a joué à tous les autres Castlevania avant. Hein. La différence entre un marteau et une pioche est très visible. La glyphe a disparu, putain! Parce que ce connard m'a fait chier. Aïe. Parce qu'il m'a pas touché, mais t'es un con. T'es un mort. La viande! On serait bien de trouver un point de sauvegarde parce que là on a pris cher à cause du Metroid. Dégage. Ah, comme ça j'ai plus de mana. Il y a beaucoup de lignes droites dans ce jeu. Mais... dégage. Oh, toi meurs. Ah, une. Ah si, regarde la tête des sprites, hein. Faut pas non plus sous-estimer la 2D, hein. Une hache. Ah, la hache classique, go. Mon torpor. Mais mon mon AIPay, hop. Voilà, Asia. Tiens, dans ta bouche. Oh putain, je suis à quelques coups de crevé, mais j'ai pas envie d'utiliser mes potions. On met la une, quoi. Reviens! Moi, je te tranche. Oh. Cool. Une nouvelle épée en plus. Ok. Bah, je vais au village. Hein. Comme ça, on va faire un petit point de sauvegarde. Cette régénération de vie et de mana. C'est gratuit. Ok, donc c'était juste une ligne droite parce que je fais le chemin à pied. Hmm.
Ah bon, c'est juste qu'elle utilise son marteau à l'envers, elle est un peu con. C'est tout. Et du coup, il fait quand même des dégâts contre l'ange, vu que c'était pas efficace contre le Metroid. Sympa. Cet effet de vague. Est-ce que je peux nager? Oui, ça va. On peut nager dans tous les cas de la mer, mais on sait jamais quoi. J'aime pas trop les durians. Ah ouais, je vais rester dans l'eau. Hein. Est-ce que c'est vraiment un danger? Non. D'ailleurs, est-ce que je peux... Ah, je peux pas absorber dans l'eau. Oh. Triste. Oh mon dieu! Ils ont tout prévu, les poissons volants. Connard. Oh bah... Ah mais elle peut pas remonter là. Vas-y, refais ton petit saut là. Ah ah. Allez, les poissons. Volant, c'est les nouveaux zombies quoi. Oh. C'est à moi. Thanks. Oh. Ah, vous m'avez sauvé, merci. Ah, je m'appelle Jacob, je tiens un bazar au village. De Wiggle. D'ailleurs, je ferais bien d'y retourner. Écoutez, j'ai des choses qui pourraient bien vous intéresser. Passez me voir un jour et on fera affaire. Ok. Mais mourez, juste. Tiens. Père, tu lootes, toi? Que dalle, ok. Ah, mais y a un moment où vous lootes, toi, quoi. Tu sers à rien. Bon. T'es un connard? Ah ah! Casse le cul, moi, d'ailleurs, on vous donne des loots, oui. Ah, par contre, 2 à 4 étoiles. Tu sais que tu vas jamais me toucher si tu fais ça 2 mètres devant moi. Sauf si vraiment je suis pressé. Non ! Le loot ! T'es pute ! Qu'est-ce qu'elle a ? Oh, elle a mal au ventre. Ah ! Ok. Bon bah... Ça fait encore une ligne droite. Ah, je suis pas trop fan du level design de celui-là. Mais bon. Ah, j'ai traversé 3 continents. Allez, enfin une vraie carte. Ah, y'a un boss. Oh, regardons. Sur une autre map. Ah! Je vais essayer de sélectionner avec avec ma croix directionnelle. C'est déjà plus simple. Oui, je joue au stick. Oh mon dieu, cette boule brille. Bon. Voilà. Peut-être aller voir au bazar du connard, ouais, ce serait pas con. Là ? Nope. Ça, c'est la maison des chats. Trouvons le bazar. T'es pas au-dessus ? Bon, là, c'est le forgeron. Mettez les pancartes, bordel! Pas ici. Trouvons, hein. On regarde toutes les maisons.
Quoi, c'était genre la maison juste à côté du jeu? Putain, tu casses tes couilles. Welcome. Ah, bienvenue, j'ai rouvert mon magasin. Grâce à vous. J'ai un peu de retard dans mon inventaire, mais je vous en prie, jetez un oeil. Je vous remercie. Eh, hey, c'est moi qui vous remercie. C'est, si je pouvais, je ne vous ferais pas payer, mais sinon je n'aurai pas de pognon. Mais vous savez, les temps sont durs, comme les œufs. Je comprends. Eh bien, faites-moi signe si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Waouh, ils ont réglé la traduction de des achats, c'est trop bien. Waouh. Ouais, parce que dans le précédent, pour acheter des trucs, c'était vendre. Donc c'était bizarre, quoi. Allez, simple, revenir. Ouais, mais ça sert à rien, ça. Bon. Un babouchka. Ou après, j'ai 2000 balles. Hein. Un petit corset en cuir. Du plus bel effet. Ouais. Chaussures plates sans talons. Ah, mais juste. Pourquoi j'achèterais ça? Quand ça donne plus de stats. Et moins cher. Ah, il en a deux, non? Ah non, c'est juste moi qui te fais à la colère directionnelle. Alors tu ne vends aucun accessoire. Ou objet, ça c'est la boutique en ligne. Donc on s'en fout. Oh, on a assez pour tout acheter. Allez, petite babouchka. Porcelain en cuir. Ouais, c'était le moins cher. Ah mais c'était plus cher parce que j'en avais mis deux, je suis un connard. Oh. Voilà. Comme ça on a plus de pognon. Pour une fois qu'on a acheté des trucs. Babouchka. Toujours pas d'accessoires, mais bon. Ah on est bien là. Resauvegardons. On a une épée. Et on a la hache. Et ce pouvoir qu'on n'a jamais eu dans Dawn of Sorrow parce que le taux de drop était dégueulasse dessus. Quel enfer. On a tué tellement d'armures et pourtant on l'a pas eu. Et là on l'a depuis le début. Allez, tuons ce boss. Je crois qu'on est repéré. Ah, un gros squelette. Ouah. C'est pas un taureau coupé en deux qui laisse des vers derrière lui en rampant sur le sol. Hein. Oh mon dieu! Il est souple, bougre. Non, c'est facile quand on n'a pas de tendon. Au secours, il est pire vers l'arrière. Crève! Ah, il me fait des bisous. Laisse-moi tranquille, ça fait mal. Oh, monsieur, je vous prie d'arrêter. Ah, ce coup de pied, quoi. Mais sérieusement! Tiens, sans mon pied! C'est l'odeur de son pied qui m'a tué. Ah, c'est bon, on commence enfin à avoir un boss un peu plus compliqué. Parce que bon, le précédent. C'est le boss de merde. Ah, par contre, ça c'est chiant un peu. Le fait de mettre le point de sauvegarde en dehors de la zone. I like this. Bing. Thunder, bing. Attends. Ouais, ta gueule en fait. Ouais, c'est pas ouf. On va bourrer. Monsieur, je vous prie d'arrêter. Ah. Oui. Mais putain, j'arrive pas à choper. Ah, mais plein le cul. Hop. Mais t'es un connard. On vient. Hop. Ah, oups. Non, mais ta gueule, en fait.
Ah, j'ai rien dit. Cassons-nous. Ah, mais forcément. Hein. La vie est dégueulasse. Monsieur est souple. Ah, ce qui est moins marrant, c'est de voir ce TP pour aller au boss, quoi. Bah, on va la voir. Faut pas être trop greedy non plus, c'est bon. Passe. Ameha. Totalement. Et ça, mes pieds. Ish. Bonjour. Vas-y, viens. On va se téléporter derrière toi avant de... Tu sois trop près, sinon c'est chiant. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est cool. Oh mon dieu! Un coup de pied. Hey, come on. Bon, oh, tu viens crever. Oh mon dieu, il y a une marche à air. Au secours. Meurs. Ah. Et tu meurs un jour? Ça m'arrangerait. C'est bon, j'ai trouvé un moyen de tricher. Wow. Bon. J'aimerais que tu meurs en fait. Perfect. Bah voilà, on a gagné. Easy. Oui. On va plus me donner une glyphe. Oh non. What? Au secours. Regarde-moi ce magnifique visage. Monsieur, je vous somme d'arrêter. Au secours, il veut me faire sentir son haleine. En tout cas, elle est verte. Elle meurt. Quoi? Ah, coup de langue, c'est dégueulasse. Et tu meurs un jour, hein? D'ailleurs, tu donnes le loot, toi? Nous verrons cela après. Non. Ok. Bonjour. On a perdu beaucoup de vie. Parce que la tête, elle fait mal un peu. Je crois qu'il faut pas se faire repérer. En plus, elle donne pas de loot la tête, donc c'est nul. Et meurt en fait. Infiltration. Ah ouais, le contact. Oh bah je me casse hein. Je me casse hein. En deux coups je meurs hein. C'est, il fait du 32 dégâts. C'est bon. Bon, je l'ai eu. Ah, une bague de protection. Anneau permettant d'améliorer la défense. Ah oui, pas mal. Genre, je gagne presque la moitié de ma def. Trop bien. Y'a quoi là-haut? Un connard, d'accord. Ah, mais. Ah, je pensais que c'était fermé, c'est marrant. Ah, désolé, je vois une porte pétée, je me dis, elle bloque le chemin. Je suis un connard. Ah, on va bien. J'ai envie d'aller en bas. En plus, il y avait du pognon, regardez-moi ça. T'es un connard. Ta gueule. Et. Quelle justice. Eux quand ils me touchent au corps à corps comme ça, ça me fait des dégâts, mais moi non hein. J'ai arrêté de me raser les jambes. Bon. Salut. Eh.
un cabriolet, mais c'est une voiture ça. C'est nul en plus. C'est rare parce que dans Aria, eux ils tiraient que vers le haut. C'est des cons. Vous me cassez les couilles. Hop là. Ah, tu mérites tellement de mourir. Mais ah, il est revenu. Vas-y quoi. Oh, c'était le bon chemin, parfait. Et un maxi. Oh, moi je veux des cœurs en plus. Et ça c'est dégueulasse. Je me suis pris déjà un coup dans les pieds. Peut-être mettre deux épées hein, pour avoir un combo. Mais bon. Moi j'aime bien jouer à l'ancienne. Enfin, tout on a une deuxième épée hein. D'ailleurs ça donne quoi le combo? C'est car. Hop. Ouais juste je tape fort. Mais j'ai plus de mana pour. Et bien, c'est que c'est un combo, mais elle utilise toujours la même bras en fait. Peut-être pas. Ah non.